Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est un nouveau chapitre du playlist Ad en créole qui m'avait commencé. Le titre, c'est Trigonométrie. Et là, mon partage le syllabus 40-37, un coup, pour nous faire une mise au point et quand nous arrivons dans le syllabus. Okay. Et si nous guettez, Premier chapitre, Functions, non fini faire. Quadratic Functions, non fini. Equation, Inequalities and Graphs, fini, complété. Indices and thirds » non fini. Factors of Polynomials, non fini. Simultaneous equations » fini. Logarithmic and Exponential Functions, fini. Straight line graphs, fini. Circular Measure, fini. Et le dixième chapitre, c'est Trigonométrie. Et puis, on 11, c'est permutation and combination. Et puis, on a series, un chapitre de series, code, because binomial theorem, etc. Pardon, nous prenons arithmetic and geometric progression aussi, et PGP. Et 13, c'est vectors in two dimensions. Et 14, c'est differentiation and integration. Et dans ça, si nous guettons bien, 10, 11, 12, 13, 14, reste 5 chapitres. Dans cinq chapitres là, on a des vraiment gros chapitres, ok C'est n, c'est trigonométrie qui nous pourra de faire à cela, et puis nous avons différenciation, différenciation et integration ok Ça aussi c'est l'autre gros chapitre et nous besoin de prendre tout nous le temps pour faire ali. Jamais nous avons besoin de faire 10 vidéos pour trigonométrie, pour faire les, parce que il est important que Dès le début, c'est-à-dire en forme 4 et forme 5, je comprends la base. Comme ça, je ne pas vous payer quand je parle dans HSC ou même à l'université. OK Et le syllabus, mon couple mon aboli, mon tableau, mon faire ça maintenant. Et... Ok. Ça, c'est le syllabus de trigonométrie. Et là-dedans... Il y a nous une étape à faire. Moi, pour rendre à tout ça là aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout simplement, diamant premier là, nos six trigonométriques functions of angles of any magnitude: sine, cosine, tangent, secant, cosecant, cotangent. Et aujourd'hui, moi, vous traite seulement sine, cosine, tangent. Et a déjà traité une introduction, bien sûr, dans le chapitre de mesure la vidéo précédente. pourquoi et là, on peut refaire et bien sûr, on peut faire les, for any angles. Il y a nous angles of any magnitude. OK. Et next, nous commençons. Et trigonométrique ratios of acute angles. Ça veut dire, nous pouvons commencer à introduire ce ratio-là. Cos theta, sin theta, tan theta, sine, cosine and uh, tangent de acute angle first bon à cela quand nous cause acute angle nous besoin recall que acute angle c'est entre 0 à 90 degrés okay 90 degrés is not considered an acute angle it considered a right angle Et 0 is considered as no angle okay mais mis salma zero some books and un livre qui dit que define 0 degrés as an acute angle. Vous sa définition-là de acute angle, sa range-là, living ici. Acute angle, c'est greater ou equal to 0, less than 90 degrees. Je vais mal écrire 90, là. 90 degrees. Mais seulement, peu importe, la définition comme ça ou comme ça, the values les valeurs uh, des ratios, ça veut dire les valeurs de cos, sin et tan, ils pourraient pareil, ok? Whether zéro degré is defined as an acute angle or not, ok? Bon, nous considérons nous considérons un right angle triangle, ça veut dire que vertices O, P, Q. Et là, nous disons que nous avons une langue, la langue de θ. Et ça, c'est le hypotenuse. Le longest side of the triangle, of the right angle triangle, est appelé hypotenuse. Et il fait une langue de θ avec l'adjacent de this angle. Vous comprenez bien. Si jamais un angle, nous avons un angle ici alpha. Vous avez mon angle ici, comment dire alpha, ah, c'est alpha. Bien sûr, theta plus alpha est égal à 90 degrés. Et adjacent to theta, c'est ça, c'est oq. Et adjacent to alpha, c'est pq. Vous comprenez ça Ce n'est pas parce que dans la communauté adjacent, là, ça veut dire l'adjacent pour tout le temps, non. Adjacent pour seulement à l'angle. L'opposite pour ça l'angle. Ça veut dire sal distance sa side ocula li adjacent to cita li opposite to alpha Et le side pq the adjacent to alpha the opposite to cita OK. moi crée moi là et adjacent adjacent to cita c'est. OQ. En même temps, on Opposite to alpha, c'est toujours OQ. Okay? Mais là, puisque nous pouvons considérer theta, ça veut dire nous pouvons considérer OQ comme adjacent et PQ as opposite. OK. Et nous voyons mon Bon, mon écrit a dit là, mon recall from previous lesson on circular measure. Qui cos theta as adjacent over hypotenuse, sin theta as opposite over hypotenuse, and tan theta as sin theta divided by cos theta, sin divided by cos. Ça veut dire, opposite over adjacent. Okay? Et là, mon mettre une valeur OQ divided by OP. PQ divided by OP and here PQ divided by OQ. Okay. some definition, là. the above definitions together with Pythagoras theorem allow us to solve problems involving right angled triangles. Okay. And we the rules also, another sine rule, the cosine rule. So, Bon, the sine rule and cosine rule, les adaptés pour any triangle, but any triangle, the right angle triangle, les form partie de any triangle, moi capable toujours servir the sine rule and the cosine rule. Et si je ne pas comme ça, plus tard je pour pour pour, pour extrapoler tout là, ok? pas l'objet de sa de sa leçon là. Next. Et le problème avec sa définition là. Le premier avec sa définition là, mon define sa trigonometric trigonométrique ratio là only for acute angle. Alors, ce qui, have an un angle de 100 degrés, we angle de 260 degrés, we angle de 540 degrés, 530 degrés, ça veut dire mon une définition of the trigonometric ratio for any angle. Et là. C'est ça qui me dit le problème avec la définition précédente s'applique uniquement à angle Et par exemple, si le triangle et si B, mon réécrit a dit sine theta, c'est pi over r, cos theta, c'est q over r. Bon, à ce stade-là, nous connais qu'il y similar un triangle similaire. Deux triangles similaires, if they ont les mêmes angles. On importe la taille du triangle. à ce stade si nous considérons un triangle similaire, with hypotenuse 1. Ça veut dire, ça, hypotenuse là, same angle, ça c'est ça, right angle, et, on va écrire ici, si on a envie. Bon, ça c'est right angle, on appelle ça alpha, on appelle ça alpha, on appelle ça, ok. Et, comment dire, on mon, mon prend ça, ça triangle là, Bon, je suis capable d'enlarger ou de diminuer, ce qu'on appelle dilation. Okay? Dilation, enlargement, c'est -en une large dilation. Je suis capable de grossir, diminuer et proportionnellement. Je okay? mon dilater de façon que ça et là, c'est 1. the hypotenuse est égal à 1. Et quand the hypotenuse est égal à 1, bien sûr, ça et là, il n'est plus pour là, soit pour là-haut, soit pour en bas. On appelle ça dash

il y a une valeur pour un petit triangle s'indique un une autre valeur theta libres long pour être pareil et les valeurs bien restent pareilles. et c'est ça que mon je dis là theta angle being the same ça dire long là being the same sine theta and cos theta have the same values values as the same values can we put as OK. Et, which implies that, salength, là, A dash, B dash, divisé par 1 est égal à sine theta. Opposite, divided by hypotenuse, is equal to sine theta. Mais sine theta is going to P over R. OK. Ça veut dire, et dash, B dash is going to P over R is going to sine theta. Et dash, b dash, c'est quoi? P over r, c'est quoi? Ça veut dire, dans le cas que the hypotenuse est de 1, sa vertical distance, là, sa vertical length, là, est égale à sine theta. Et cos theta, c'est si, bon, on peut a un dash là-dedans, sorry. Si b dash divisé par 1, adjacent, divided par hypotenuse, which is equal to q over r. Et dans ça cas-là, de -cas si dash, si b dash, sorry, si b dash is going to q over r. Et de Hakala, là -là, sa distance-là, sa distance-là, bien cos theta. Dans le cas que le hypotenuse est égal à 1, la horizontal distance becomes a cos theta, la the, the vertical distance becomes sin theta. Et ça, c'est une nouvelle définition. A new bon nous peut définir c'est une nouvelle interprétation plutôt de sin theta et cos theta si la the hypotenuse est égal à 1. bon moi pas sans dire mais entre les, les parenthèses interprétation ici pour angle, nous peut dire que Lipu opposite over hypotenuse, and sine theta, because theta, is adjacent over hypotenuse. And if we make another definition, that the length of theta, with a with a triangle of hypotenuse is equal to one, okay, and the vertical distance is equal to sine theta, and the horizontal distance. triangle là, to cosita. et entièrement, so vous pouvez comprendre qui fait ça, comme ça, qui fait un triangle où ça, on met ça et on fait ça cita, ça, fait ici et nous a ça là. Bon, avant nous ça, parce que faire ici, ok. Avant nous ça, il y a une autre fait, ok. Et definition of quadrants in the Cartesian plane. Bon, là, maintenant, le Cartesian axis, XY. X axis, Y axis. OK? Et rappel, bon, pas rappel, bon, je connais qu que angle, c'est measure of rotational displacement. And rotation, and, and, and mesure de, de, de la rotation. OK? Et nous mesurons les positifs nous convention, c'est it increases in the anticlockwise direction. Ça veut dire, si nous guettons bien, clockwise, nous get bien, non? Ça veut dire, si mon a 12, 12, 3, 9, 6, et ça, c'est clockwise, anticlockwise », comme ça. OK? Ça veut dire, quand nous tournons comme ça, nous devons dire positif. OK? Et quand nous tournons de façon, nous devons dire négatif. Exemple, là, nous devons dire, bon. Si nous avons une langue de cita, mon, on tourne, 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 on arrive là, cita là, ça veut dire niveau positif. Lipo équivalent. si on prend ici, à la place, si on tourne tout ça là, on juste tourne ici, et ça vient de minus alpha, et là, on connais que ces deux langues là, positif cita, ou équivalent de minus alpha, et là, là on dis que minus alpha, en fait, c'est 360, -Theta et bien sûr on met un négatif parce que je montrer qu'il me fait tourner clockwise. Ok, ça c'est une affaire. Et plus important là-dedans, c'est définition of quadrant in the Cartesian plane. En 0 degrés à 90 degrés, on va appeler ça first quadrant. On casse le Cartesian plane, bon en disant casse dit, mais c'est moi nomme sa première partie-là as first quadrant, sa deuxième partie-là as second quadrant, sa seule partie-là as third quadrant et sa fourth, quatrième partie-là as quadrante. On vient entre 0 degré à 90 degrés, c'est first quadrante. 90 degrés à 180 degrés, c'est second quadrante. 180 à 360, non pas 360 ça, 270 ça. Qui fait un de 360. Tout cela c'est bon. Tapisseuse. 180 à 270 degrés c'est sur le et 270 à 0, bon, bien sûr, moi, 90 sur lit, niveau 90 degrés ou bien, non, 360 degrés ou bien 2 pi, radian. 30 degrés ou bien, ça me un peu plus bien. On des 10 en bas là, Avec ça c'est 0 degré, 360 degrés. Et parce que... J'ai dit 0 quand on ne fait aucune révolution, on tournez, vous on une révolution, il vient 3 fois 60. On va retourner, on une révolution, il vient 720. On va comme ça. Et ici, là, là il faut 0 zéro zéro rad, quand on n'a aucune révolution, et quand on fait une révolution, il faut tout faire rad. OK? Et ça, c'est ma définition des, des quadrants. OK? Et là, moi, va moi, ici. et rappelle que... Je vais définir comme un hypotenuse de 1. Sine sita, c'est vertical length. Cos sita, c'est horizontal length. Et si, bon, je prends mon quadrant. Je okay, fais faire un cercle de radius 1. Okay. Et là, il n'y a pas de côté sin zeta, parce que n'importe quel triangle qui m'a peut C'est long, long là, et the vertical length, par long. The vertical length est égal à sin zeta. The horizontal length est égal à cos zeta. OK. Circle of radius 1. OX. Si on prend OX divided par 1, c'est cos zeta. On prend dans le cas qu'il y a acute angle, là. Il y a cute. Zeta, c'est acute, mais il faut valider pour tout. OK. Et... I would say OX is equal like to cos theta, and you see XP divided by one is equal to sine theta. I have say XP is equal to sine theta. Point P, while rotating from zero degree to any degrees, anticlockwise direction has always XY coordinate. So XY coordinate la, always equal to cos theta and sine theta. I would say, I would say so horizontal length and the So vertical length and the horizontal length you always equal ég cos theta to sine theta. B sa definition, la, la interpretation la plutôt, we obtain the following. One complete revolution, comprend bien. Ici là, ici là, vertical distance is positive parce que y est positive. Okay? Horizontal distance n'est positive, ça veut dire sin positive, cos positive et tan non sin positif, cos positive et tan aussi positif, ok parce que sin divisé par cos est positif, ok et là maintenant si bon nous prenons un exemple hein nous prenons un exemple ça veut dire là on met dans la ligne là dire en V, hein. Je mets ça là. Je mets ça là. OK. Et là, si je fais ça là, on appelle ça, bon, ça langue là. Je vais alpha. Et alpha, obviously, is not acute, you know, it's an obtuse angle. Mais, sa distance là, il faut s'en alpha. Et sa distance là, il faut cos alpha. Et ça, qui vais vous dire là, depuis tout le temps. OK? Et je trouvais que, que là, dans ce cas-là, in the second une in the cos alpha, négatif, sin alpha positif. In the second quadrate, cos alpha, négatif, sin alpha positif. Et sin divided by cos, positif divided by négatif, becomes négatif. OK? Et same thing, si nous prenons n lot là, nous prenons n la ligne zone, nous mettons là. Okay. Et là, il n'est plus obtus, il est plus obtus, il est entre 180 et 270. OK et, et là, si vous regardez bien, horizontal distance, vous bien Horizontal distance. Les négatifs. Non, vertical distance négatif, horizontal distance négatif. Négatif, ça veut dire le signe, c'est Vertical distance est négatif et horizontal distance il ido par ici. parce que ça, c'est positif x, négatif x, négatif, sin négatif, cos négatif, tan aussi tan pour une positif parce que négatif du bas négatif une positive et même les affaires à vous ici nous prenons un rouge par exemple nous mettons là, mettre là et là le tourner ici ça vient sa langue là fait comme on dit là on appelle ça beta par exemple ou bien gamma ok a bien l'ili plus que 270 moins ce qui 360 et sin de gamma ligne négatif cos de gamma ligne positif et sin over cos vient tan tan vient négatif. Et moi pour faire tout ça là parce que il faut garder le document là. OK. Et là nous on finit define the sine, cos and tan of any angle, a general angle. Bien sûr. Et faire, comment dire maintenant, moi, non, 730 degrés. Mais moi, connais que 730 degrés, c'est n coûte 360, 2 coûte 360, n coûte 360, 2 coûte 360, 1720. 730 dit-vous 10 degrés, dit-vous d'or, first quadrante. Et first quadrante, sign positive, cos positive, tan positive. OK? Faire, comment dire maintenant, dans, dans le cas qui maintenant, bon, maintenant, va pas nous prenons l'exemple. Nous prenons l'exemple de 300. Non. Allez, Mais 6, 7, 840 degrés. Moi, je ne vais pas combien ça Ok. mon envie en de tan, and cos de 840 degrés. Et je vais envie de le avec ce valeur. Je vais oublier ce valeur. Couler le monde. Parce que la valeur, nous c'est c'est vie calculatrice. Ok. Nous avons dit ce sign Bon. One revolution. Divine, comment elle est 360 degrés, tout revolution, 720 degrés, et trois révolutions, il fait 360 fois 3, mais il vous grand que 840 degrés. Ça, veut dire, ça dit pas trois révolutions, il dit tout revolution plus something. ok? Et là, on prend 840, on 720, on 120 degrés. Il 720 plus 120. Et si on prend 120, ici 90, 120, il vous parle là. Il faut pas là. Il faut in the second quadrant. In the second quadrant, sign pour cos pour negative, tan tant OK? Et là, maintenant, on prend ça. On a eu une table. C'est une autre façon pour au prendre. OK. 0, 0, angle là. Acute angle, all positive. Obtus angle, sign positive, les restes négatifs. Et en 180 à 70 OK? Ça veut dire deux négatives, on est tanis positif Et 270 à 360, on est corsis positif. Et nous, longtemps, nous, longtemps, longtemps, ça veut dire bien longtemps. Hein? Bon, par contre, on y fasse autant qu'on à avis ça. Et, mon dessin, il là, montré les autres comment nous, je peux en prendre ça. Par cœur, bien sûr. Au commencement, c'est par cœur. Parce que, bon, peut-être nous, tu comprends, ou bien peut-être tu montres nous, mon oublier, moi même, tu montres nous, li, comme ça, pour ne bon, pour pas oublier, dit. Li nous ça all silly tom cat -y, -y, nous, tout man, uh, man, man, man tom cat c'est man, 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 okay? et l'autre « silly all silly tom cat all is positive all is sign cost is positive là, silly. Dans la silly da la only sign is positive only sign is positive donc, the Tom le the sud Tom avait dit on n'y une positive et quatre on a positif et ça aussi et là beaucoup termine la première partie de la leçon sur trigonométrie et quand mon explique qui m'ont expliqué nous fait, fait un recap rapidement et mon explique mon introduit les trigonométriques choses en acute angle et puis on définit une autre façon de voir D'interpréter, pas définir, je vais donner une autre façon d'interpréter. C'est quoi sine theta, c'est quoi cos theta? C'est la distance horizontale et verticale quand on a une hypotenuse de 1. Ok? Là, je vais définir le quadrant C'est quoi le quadrite? First, second, third, fourth quadrite. Ok? Et je vais aussi montrer l'équivalence entre un an anticlockwise angle et un an clockwise angle. Okay. entre un angle qui est positif et un angle négatif. Et puis, Léa là, je mon montre les autres que sa, sa définition que nous utilisons, quand on and c'est horizontal distance et vertical distance, et si on prends un rod ou bien un point même qui moi rotate, bon, un road plutôt, est voté, un rod plutôt, c'est une distance d'unité, une distance, et... So, coordinate pour always equal to cos theta and sin theta et dépend qui long si nous mettons anti-clockwise et ça veut dire il dépend qui long l'ipoyété, ok? Et là par rapport à ça, mon trouve the sign of trigonometric ratios in each of the four quadrants et là mon trouve certains résultat là, certains là. Et là, mon bon, moi, à l'école, au commencement, bon, mon mon papa, dit moi, ça, et même par quoi à l'école, déjà, moi, ça, ça dis-moi, bon, déjà, on prend ça comme ça, All Silly Tom 4, All Silly Tom 4, ça veut dire, c'est une abréviation pour nous connaître, where the trigonométric ratios en positive il nous faut au OK, et là, moi, arrête le partage, mon arrête le partage, bon, avant de m'arrêter, je vais montrer ce qu'il nous faut faire prochainement. Là. Et prochainement, nous allons faire quelques exercices pour nous, pour nous habituer nous avec ça, trois trigonométriques là, et tangent, okay? Et puis il y a la OK. Moi, arrête le partage et moi, que je ne comprends et problème, faites-moi moi, any problem, -moi et bon pour moi, pour moi pour de répondre aux autres, aux autres questions par mail ou bien par message. OK, pas Allez, au revoir et à la prochaine vidéo.